et le vieux maître que j'allais voir chaque année au mois de juin là-bas en Californie où il vivait et créait. Le vieux maître, sourire aux yeux, il creusait le même sillon d'une pensée qui fracassait des siècles de chercheurs épuisés de routine, publiés ou périr, et ça colloquait. Et le vieux maître, sourire d'esprit, et le vieux maître à vélo, invité Michel Foucault, trouver des frères de pensée pour croiser le frère des mots. Et débattre et cheminer. Il était mon élixir de jouvence et de vie. Je revenais du périple, toujours un peu plus jeune, un peu plus libre de cette liberté-là, celle d'interroger, celle d'interroger. Quand des tapages d'école ne font que répéter, ne font que rabâcher, quand il s'agit d'éveiller, la seule transmission, c'est une initiation. Merci au vieux maître, on the Frenchman's Road. Et le vieux maître à vélo, invité Michel Foucault, trouver des frères de pensée pour croiser le frère des mots. Et débattre et cheminer. Alors peut-être maintenant, si le phénomène de bouc émissaire est en train de passer, c'est peut-être ça qui fait que toute la pensée moderne s'effondre. Alors ça, c'est là.